Washuke. Jimi napenda wa huku waone Fayulu na huku waone Fayulu haiko vile. Ikue cameraman, ikue protokole mwenye haikale ku podium. Nyie bote mshuke. Haiko vile. Nyie bote mwenye haikale mshuke, jua tote waone Fayulu. Simulikia kuona Fayulu. Simunapenda mumuone. Wote wenye hawaikale wa sasa tumekuja na delegation kubwa sana. Napenda ni wapresente delegation tuko nayo hapa kusudi mjue kama Martin Fayulu amekuja na nani. Haiko vile. Tumekuja na mzee Adolphe. Watoto wa Goma, jambo. Jambo. Asante. Umeona muzito? Wangapi wanampokea Goma ye? Anakuwa na koordinatere wake hapa mueste wapartia Adolphe Muzito. Nitamuomba akuje naye vile awasalimie. Ni jeune politicien mwenye iko nguvu sana, shujaa. Awasalimie na avae jina lake. Goma jambo. Goma jambo. Tusikizane kidogo. Communauté internationale na wale wa mwizi, il faut tuambie nani president, si ni vile? Goma nani president? Nasema, tuseme nguvu kijana wasikie nani president. Goma nani president? Tufanye mikono, nani president? Nani president? Est-ce que mnapenda ule mwizi abakie ku pouvoir? Munapenda mwizi wake kupuvua? Tutafanya Asante sana. Jina langu ni Alan Shukuru, coordinateur ya Nouvelle Elan hapa Est. Lakini naenda kwanza president wa Nouvelle Elan Adolphe Muzito kwanza hapa mbele. Munamwona? Munamwona? Anasema hivi alataa parti yetu hapa, tutaanza kesho. Haiko vile president? Mnampenda? Kama mnampenda fanya nini wote hivi tuone. Merci beaucoup. Tunakuwa na mwingine mwenye mnajua amekuja mudelegation, lakini ni mwenye mlichagua adjoint wangu anamuita Kasekwa, chef de travaux Kasekwa. Akuya mumuona mumusalimie. Goma viva! Viva! Goma viva! Viva! Bana Goma nani président? Bana Goma nani président?
Merci. Watoto wa Goma, nataka kuuliza. Wakakuiba parcelle yako. Wakakuiba moto yako, utafanya nini? Wakaiba prezi. Député national Kasekwa alikuwa numéro ngapi? Député provincial Nzangi alikuwa ngapi? Tujipigie mikono sie wote. Jina langu Muindo Kasekwa Jean-Baptiste, petit soldat du peuple, tumelite pamoja na nyie hapa Goma. Tunasema asante kutupatia confiance kutuchagua aux côtés à Marte Fayulu. Niko coordonnateur provincial wa dynamique de l'opposition, secrétaire provincial exécutif wa parti SID ambaye inaongozwa na Marte Fayulu. Pamoja utendelea kupiga na vita na hatuta watahire hata kamwe. Asante sana. Tumekuja na mwengine shuja hapa. Simuna musiki yaka. Lexus, muna mpura mwone. Goma, eske saba? Eske bozali? Maboko, merci beaucoup, merci. Bis, vous êtes à bis. Gina. Bayoulou. Ton locato chama musique qui serait sili. Hein? Il y a tout autant de le moment en vérité. Tu retiens moi musique, mon caisse sur les silly, je vais chanter pour vous. D'accord? Bon, mais t'en as ma boque pour la bino. Tout ça, programmez les pas. Merci. Bohébi Lexus légal. Topunana depuis 1000 ans. Botom la boque pour la Congo. Tobetti ma conseil, on y a. Merci, merci, merci. Merci. Watoa Goma, nataka kupresente Maris Mambo naye mumwone ndio wenye waliorganize hii kitu, awasalimie tu. Goma oye! Goma oye! Minyamule kwa katre. Ninani? Ninani? Ale tuimbe. Moïse! Moïse! Moïse, Moïse, tunasema abata tuibia juu ya Martin Fayulu. Tunasilizana. Ale mumpiki Martin Fayulu mikono. Asante sana. Naona vile honorable maître Sasita ambao walikuwa kwa fure mule, na wewe kuja usalimie watu hapa. Wananchi wa Goma, amjambo. Amjambo. Mesikia mimi ni saa sita. Tumediganisha pamoja na nyinyi. Na mumenichagua kupitia territoire ya Lubero kama député provincial. Asante sana. Nitamu présenter vile conseiller wa Moïse kwa jeunesse Patrick Mundeke na yakuwa wasalimie. Goma jambo. Goma jambo. Unajua mumaisha haisifiri tu kukua na droit. Inaomba tena kuyua kureklame droit na kuikamata. Mimi na shangalaka sawa tu yuko nasema mungu nafaa politike, mutakufa. Na mewafaka wakufaki. Tuende tu marche, tu reklame droit yetu. Tuende tutafute droit yetu, paske tulivote.
na kutuintimide mwiji haiko. President Moïse Katumbi aliniambia niwaambie hivi. Iko très fier na nyie. Kwa kuona vyote venye anawaambiaka mnavifataka. Na kandida wake ni nani? Kandida wake ni nani? Sasa tupiganishe mpaka kwa president. Wale watu wiko kama 100,000 au 200,000. Hawa hizo wa 80,000 yote kongole sauti. Mimi jina langu ni Patrick Mundeke, niko conseiller au cabinet Moïse Katumbi à charge à jeunesse. Merci. Sasa nani anapenda aone Fayulu? Nani anapenda amuone Fayulu? Mbele tuanze tutaimba himne nationale. Si mnajua? Si tuko wakongomani? DJ huko na himne pale. Ututilie muziki tusikie himne mzuri. Wangapi wanajua kuimba debu kongole? Tunapenda waimbe debu kongole. Unaona kuko wakati mambo naimbaka na mnalia. Wengine wanaimba debu kongole na wanakuwa kama wanacheka. Leo mimi napenda muimbe na mnasirika. Eh? Unaimba debu kongole na unasirika. Kusudi isikilikane mzuri. Kuonesha kama unapenda Kongo yako. Haiko vile? Unaimba debu kongole unafanya nini? Na unasirika. Ni kusema ni kuimba na determination yote. DJ, uko tayari? Uko tayari DJ? Sasa tunamupatia President Martin Fayulu parole na tunapenda kale ka imne yetu ka Martin Fayulu kamusimamisha hiko vile kale ka imne yetu ya nini? President tunasema ni ka imne yetu ya lamuka haiko vile. Junjo chanson fétiche à Fayulu. Bonjour, c'est Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayulu, président. Oh, 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 oh,
Banduku wa Goma, jambo! Jambo sana! Mes frères et sœurs, d'abord, nous devons remercier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ndugu na dada ya kwanza, tunapasha kumushukuru Mungu. J'appelle l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa pour prier pendant 2 minutes pour rendre gloire et honneur au Dieu Tout-Puissant. Tuombe Mungu. Mungu mtakatifu, Baba Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru maana ni wewe ambao ulituumba ukatupatia inji nzuri e Bwana. Inji nzuri kuliko inji zote kama vile tulikuwa tukiimba kunako shule. Inji inaojaa maji. Inji inaojaa dhahabu. Inji inaojaa miti. Inji yenye mali mingi e Bwana. Asante pia kutufanya kuwa watu wazuri, watu wa kupendana, watu wenye mayele, watu wenye akili. Asante kutupatia Marte Fayulu comme président. Asante kutuongoza kwa uchaguzi wa le 30 décembre. Asante sababu utatupatia victoire katika etape zinazobaki. Tunakuomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Maintenant, je vais commencer par saluer, dire bonjour. Nous tous ici, nous disons bonjour à nos amis, aux leaders de la Mouka qui ne sont pas avec nous ici. Penda ni anje kwa salimia na kwa pongeza wale magogwe zetu walide wala muka ambao hawako na sisi hapa. Je vais commencer par dire bonjour à Moïse Katumbi Chapwe. Nitaanza kumpongeza Moïse Katumbi Chapwe. Dis bonjour. Unamwambia bonjour. Ensuite, disons bonjour à notre frère Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonjour. Et aussi disons bonjour au professeur Freddy Matungulu. Disons bonjour à mon frère Antipas Mboussa Nyamouissi. Grand bonjour Antipas. Aussi notre sœur, notre maman, vous la connaissez, elle est à mission pour les groupes. Disons bonjour à Eve Bazaïba Massoudi. Vous savez, c'est lui qui a organisé la campagne. C'est lui qui a organisé la campagne. Pierre Lumbi. Disons bonjour à Pierre Lumbi. Bonjour Pierre. Aussi, disons bonjour au sénateur Mabaya. Disons bonjour à Mabaya. Merci, merci. La Mouka, c'est une grande équipe. Je suis avec moi ici, avec un leader de la Mouka, le Premier ministre Mouzitou. On vous l'avait présenté tout à l'heure. Mais encore bonjour à Adolphe Mouzitou. Merci mes frères et sœurs. Avant toute chose, je vais qu'on incline nos têtes pour une minute de silence. Nous avons perdu les nôtres. Nous avons perdu certains d'entre nous. Et surtout, nous avons perdu beaucoup de frères et sœurs ici au Nord Kivu.
Nous avons perdu aussi nos vaillants militaires, nos vaillants membres des FRDC. Kwa sécurité à Nord Kivu, tumepoteza hata waskari ambao walikuwa wanagombania inji. Une minute de silence pour tous ceux qui sont morts pour la patrie. Minute moja ya kimya kwa wote ambao walikufia hii inji. N'oublions pas mon fils Luc Kunula qui a donné beaucoup pour ce pays. Tusisahau Luc Kunula. Une minute de silence. Merci, merci beaucoup. Aksandisan. Le Congo, c'est un beau pays, n'est-ce pas? Congo ni inji nzuri haiko vile? Nous avons un beau pays, n'est-ce pas? Tuko na inji nzuri haiko vile? Dieu nous a gratifié. Mungu alitupatia vyote. Dieu nous a donné un pays merveilleux. Mungu alitupatia inji ambayo ni inji nzuri sana. Regardez comment nous sommes ici. Nous sommes qui? Nous sommes des Congomani, c'est pas vrai? Nous sommes des Congolais, c'est pas vrai? Comme on dit à Lingala, Tatabo, Ekolobo, Mamabo, Eza Esengote. Oh, Esengo, Esengo, accent sana. Nous avons un très beau pays. Tout qu'on a été pour ça. Mais, Lakini, il y a des ennemis de la République. Qu'on a à tout Indi. Ils n'aiment pas ce pays. En bas, on a peine de Indi. La plupart d'entre eux sont tapis dans les institutions. Ils veulent tuer ce pays. Ils veulent balkaniser ce pays. Ils veulent déstabiliser ce pays. Est-ce que nous allons accepter? Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter la balkanisation du Congo? Est-ce que vous allez accepter la déstabilisation du Congo? Merci, merci. C'est grâce à vous. Surtout grâce à vous, les fils et filles du Nord Kivu. Que le Congo doit être maintenu uni. Le Congo sera maintenu uni parce que les enfants du Nord Kivu ont fait un travail merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a? Micro? Ingénieur, arrangez les micros. Il y a des gens qui n'attendent pas de l'autre côté. Maintenant, ça va? Ça va? Ok. Un instant, on est en train d'arranger. C'est le micro des jeunes. Des drapeaux. Descendez les drapeaux. Faites baisser les drapeaux, s'il vous plaît. Faites baisser les drapeaux. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un plaisir d'être comme ça en famille? Je kuna kuwa mtu katikati yetu mwenye anaweza kuinterpretea wabubu. Tunakuwa na wabubu hapa wengi wanaomba mtu wa kuinterpretea. Napenda tu kukuwa volunteer akuye nisaidie hapa. Thank you.
Sasa inakuwa vizuri sasa. Asante sana. Ok, merci. On a arrangé les micros. On va tengeneza sasa. Je disais ceci. Ilikuwa nasema hivi. Nous avons un beau pays. Tunakuwa na inji nzuri. Il y a des ennemis de la République. Kunakuwa adui wa hii inji. Qui ont voulu assassiner ce pays. Ambao walipenda waue hii inji. Qui veulent la balkanisation de ce pays. Ambao wanapenda wagabule hii inji. Ils sont pour certains d'entre eux tapis dans les institutions. Wengine kati yao wanakuwa katika maitikisio. Est-ce que nous allons accepter cela? Je, tutakubali hiyo? Interprète moi tu l'état hayoe. Wende wati kidogo mwingine nakuya na pale. Vous voyez le pays. Il s'est improvisé. Comme il y a des gens qui s'improvisent président de la République. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal si tu n'as pas l'onction du peuple d'aller prendre le mandat? Jeni kawaida kama hukuchaguliwa na raia unajiita président. Est-ce que c'est normal? Jeni kawaida. Donc, je disais et je répète. Nilikuwa nasema na mimi nasema tena. Que notre pays est terriblement convoité par certaines personnes qui veulent le déstabiliser. Inji yetu inatamaniwa na watu wengi ambao hawapendi amani katika hii inji. Il appartient aux Congolais. Ni kwetu sisi kama wakongomani. Tous Congolais. Kwetu sisi kama wakongomani. De défendre ce pays. Ya kuweza kupigania hii inji. Les gens sont venus. Watu walikuja. Ils ont dit oh non. Il y a le tribalisme au Congo. Wakasema hapa Congo kuna tribalisme. Est-ce qu'il y a le tribalisme ici? Je kuna tribalisme hapa. Est-ce que vous acceptez le tribalisme? Je mnakubali tribalisme. Est-ce que nous acceptons le tribalisme? Je tunakubali tribalisme. Nous disons à bas le tribalisme. Tunasema tribalisme itoke kabisa. Nous disons ils ont échoué des gens qui ont voulu inoculer ces venins. Ces virus du tribalisme. Tunasema washindwe wale wenye walitaka kutuletea hiyo mambo ya ubaguzi. Si c'était à Lingala, ingelikuwa kwa Lingala, j'allais dire bowolo la bango. Ningeliwaambia bowolo la bango. En Swahili, unasikia ile mambo ile. Nasema, wale ambao wanasema tuingie katika mambo ya ubaguzi, tuwafanyie hivi Unafanyia nini eh? Ufanye hivi eh? Ufanyie hivi eh? Ils ont échoué. Wameshindwa. Lamentablement. Wameshindwa kabisa. Comment présenter Fayulu comme quelqu'un qui veut le tribalisme? Unataka sema Fayulu ni mtu ambaye anataka tribalisme. Je, unaweza kubali hiyo? Ils ont échoué. Vous savez, les choses commencent comme ça. Très attention aux ennemis de la République. Dans certains pays, ça a commencé comme ça. Ils ont voulu inoculer ça au Congo. Ils n'ont pas réussi. Félicitations au peuple congolais. Ongera kwa raia wa Kongo. Applaudissez! 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 Applaudissez!
Applaudissez ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici. Merci. Je voulais dire merci, merci à ce peuple qui a démontré sa maturité. C'est pour cela que je suis ici dans cette tournée. Que j'ai lancé le 2 février de cette année. Cette tournée, c'est pour deux choses. D'abord, pour dire merci aux Congolaises et aux Congolais. Merci pour m'avoir voté massivement. Merci pour la victoire du peuple. 62%, ce n'est pas peu. 62% ya sauti haiko kidogo. Bravo, bravo. Aksandi sana, aksandi sana. Merci, merci. Hongera, hongera. Deuxièmement, kitu ya pili. J'ai dit pour vous remercier d'abord, et deuxièmement, c'est pour vous dire qu'ils ont essayé de voler la victoire du peuple, mais nous devons tout faire pour recouvrer cette victoire du peuple congolais. Yapiri, nilikuja niwaambie kama walijaribu kutuiba ushindi wetu, lakini hatuwezi kubali, lazima turudishe hiyo ushindi kwa yetu. Nous devons nous battre. Lazima tupigane. Nous devons nous battre tous. Lazima tupigane sote. Pour recouvrer la victoire du peuple. Kusudi ushindi wa population tuweze kurudisha kabisa. C'est le peuple qui confère la légitimité. Wakongomani ndio wanampa nguvu président kumchagua. Est-ce que vous avez déjà vu un président nommé? Mushakaona président kunomé. Est-ce qu'il a l'onction du peuple? Je amebarikiwa na raia. Amepakaliwa mafuta na raia. Est-ce qu'il pourra avoir l'onction du ciel? Je na Mungu na atampakala mafuta. Parce que ici sur terre, c'est le peuple qui représente Dieu. Sababu hapa duniani watu ndio wanawakilisha Mungu. Donc pour ça, nous avons lancé cette campagne de la vérité des urnes. Ndio maana tulianza hii kampeni ya kuonesha watu ukweli wa kura. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette campagne? Vous êtes d'accord avec la vérité des urnes? Nous disons au monde entier, personne ne peut voler la victoire du peuple congolais. Nous disons au monde entier, personne ne peut se substituer au peuple congolais. La CENI a fabriqué les résultats et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Watu wa CENI waliunda ma résultat ambazo haiko ukweli na sisi hatukubali hiyo. Est-ce que vous acceptez les résultats de Nanga? Je mnaitika mambo yao walifanya? Vous acceptez les résultats de la CENI? L'article 5 de notre constitution. Kipengele ya 5 ya katiba yetu dit ceci. Inasema hivi. La souveraineté appartient au peuple. Raia wa Congo ndio wanapana mamlaka. Et nous sommes allés aux élections. Na tulienda kwa uchaguzi. Pour solliciter le peuple. Kwa kuomba raia. Pour demander au peuple. Kwa kuomba raia. Qui doit être président? Nani atakuwa président? Qui doit être député national? Nani atakuwa député national? Qui doit être député provincial? Nani atakuwa député provincial? Vous avez voté, c'est pas vrai? Si mulichagua haiko vile. Pour le
Qui avez-vous voté comme président? Nani mulichagua président? Qui avez-vous voté comme président? Mulichagua nani président? Alors je demande à la communauté internationale. Ndio maana naomba kwa umoja wa mataifa. De suivre. Nisema kuya wajione ce que le peuple congolais est en train de faire. Mambo ambayo wakongomani wako wanafanya. On ne peut pas exclure le Congo du monde moderne. Hawawezi kutosha Congo kwa inji ambayo tunajeshimia. On ne peut pas exclure le Congo du monde démocratique. Hawawezi kututosha sisi katika ulimwengu wa kujeshimia niseme tu vile. Mais est-ce que demain est-ce que vous serez encore enclin d'aller voter, de participer à une élection? Je kesho mtakuwa tena juhudi ya kwenda kuvote. Wakati wanawaiba kura, je mtakuwa na juhudi ya kuvote? Voilà, il y a certaines personnes de mauvaise volonté, de mauvaise foi qui veulent tuer la démocratie au Congo. Kuna watu wengine ambao wanakuwa na roho mbaya wanataka kuua demokrasia katika Kongo. Parce que un élément fondamental. Sababu kitu kikubwa sana. Un élément clé de la démocratie. Kitu cha maana sana katika demokrasia. Ce sont les élections. Ni uchaguzi. C'est pour cela mes frères et sœurs. Ndio maana ndugu na dada. La vérité des urnes. Nous devons tout faire pour mener cette campagne et recouvrer la victoire du peuple congolais. Lazima tufanye vita ili tuweze kurudisha ushindi wa wakongomani, turudishe kabisa kwa yule aliyechaguliwa. Est-ce que c'est l'Union africaine qui donne la légitimité? Qui donne la légitimité? Merci beaucoup. Aksandi sana. Nini? Maman, Nabinope. Je comprends votre frustration, maman. Regardez ici, angalia hapa, le Nord Kivu hii, une terre bénie. Inji ambayo ime. Vous ne pouvez pas aller au champ. Inji mzuri sana, hawezi enda kulima. Vous ne pouvez pas élever vos bétails. Hawezi enda kufuga nyama yako. L'insécurité partout. Insécurité mahali pote hata katika ville. Vous vous rappelez la fois passée, unakumbuka wakati en avril 2016. Avril 2016. Je suis venu ici, hapa Goma. Nous avons tenu un meeting au stade les volcans. Je vous ai demandé qu'est-ce que voulez-vous que je fasse demain si je deviens président de la RDC. Niliwauliza kitu gani naweza kufanya kama mimi nachaguliwa rais wa inji. Vous m'avez répondu. Mukanijibia. Surtout les mamans, alors vous continuez la même chose, vous avez dit Amani. Vous m'avez répondu. La paix. Vous cassez mani Amani. La paix parce que vous savez tout faire. Sababu mnajua ndugu zangu. Ici, tout pousse. Vitu vyote viko hapa. Tout pousse. Mambo yote yanawezekana hapa. J'étais à Butembo. J'ai vu les merveilles de la nature. Quelle beauté. Nilifika Butembo nikaona uzuri ambao Mungu ameweka huko. J'étais à l'université Graben. Il fait qu'à couler ICG. J'ai visité tout ce qu'on peut visiter, la faculté agronomique. Niliona homo mambo ya agronome huko.
J'ai vu ce qui pousse à Butembo. J'ai vu béni les plantations partout. Mais ce qui tue la province, c'est l'insécurité. L'insécurité qu'on nous a imposée. Hiyo kukosefu ya amani ambayo walituletea hapa. On nous a imposé l'insécurité pour déstabiliser le Congo. Walituimposa hapa insécurité kwa kuharibisha Congo. Avant, à Kinshasa, on avait des cargos de pommes de terre. Wakati wa zamani Kinshasa, tulikuwa na pommes de terre za kutoka huku. Il y avait des cargos d'oignons. Kulikuwa makargo ya onyo ya maavyo. Cargo de haricots. Kulikuwa maavyo ya kuleta maharagwe. Toutes sortes de fruits. Ma fruits zote. Aujourd'hui, Léo, ça a séché. Imesha kuisha. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'il y a l'insécurité. Insécurité ya Kivu hapa. Même aujourd'hui, vous dites qu'on a tué. Vous savez, j'étais à Butembo avant-hier. La nuit d'avant-hier à hier, ça tirait partout à Beni. On m'a appelé de partout, on dit il ne faut pas aller là-bas parce que ça tire. J'ai dit, ceux qui sont morts sont des Congolaises et des Congolais. Moi aussi, je suis Congolais. S'ils veulent me tuer, je vais aller. Et j'ai pris la Jeep avec tous les cortèges et nous sommes arrivés à Beni. Tulikamata gari na tulifika Beni. Parce que y a un Dieu. Sababu kuna Mungu. Qui nous protège. Ambaye anatulinda. Ceux qui croient. Wale ambao wanazani. Qui vont liquider tous les Congolais. Watawaua wa Kongomani wote. Ils se trompent. Wanadanganyika. Nous sommes aujourd'hui plus de 80 millions. Les Congolais continuent d'apprendre. Les Congolais aiment son pays. Même si vous pensez que vous êtes en train de gagner aujourd'hui, je vous dis que vous vous trompez parce que les enfants du Congo vont relever les défis. Hata kama munazani muko munatushinda leo. Munadanganyika sababu watoto wetu watapigana hii vita. Donc, nous devons tout faire. Lazima tufanye mambo yote pour assurer la paix et la sécurité dans notre pays. Kwa kuleta amani na usalama katika nchi hii. Croyez-moi. Munaweza kuniamini. Croyez-moi, si la CENI n'avait pas déconné. Kama CENI haingelifanya mituruturu yake ilifanya. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas déconné. Kama Cour constitutionnelle haingelikuweza kufanya ile mambo ilifanya. La situation aujourd'hui au Nord Kivu ne serait pas la même. Hali ya Nord Kivu leo haingelikuwa gizi iko leo. Est-ce que vous me comprenez? Unanisikia? Est-ce que vous me comprenez? Unanisikia mimi? Mais comment voulez-vous comprendre qu'on dit qu'il y a des gens qui tuent et ils sont ici et nous avons nos militaires ici, on n'arrive pas à éradiquer ce phénomène. C'est pour cela que je vous avais dit, si je prends le fauteuil
du président de la République. Wakati nitakuwa nimekamata kiti ya première mesure. Kitu ya kwanza nitafanya. C'est déplacer les camps kokolo de Kinshasa. Nekutosha camps kokolo na wasoda na maarme kule wanakuya Beni. Pour assurer la protection du Nord Kivu. Kusudi wakuje walinde hii ulongo ya Nord Kivu. Et par ricochet la protection de la République démocratique du Congo. Na kulinda ulongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mes frères et sœurs, ndugu zangu na dada, je suis déterminé. Mimi niko shujaa. Et soyez déterminés avec moi. Na mkuwe mnajua nyinyi wote mkuwe mashujaa kama mimi. Pour sortir ce pays du trou dans lequel on l'a mis. Kwa kutosha Congo katika shimo yenye walitumbuzia ndani. Il n'y a personne d'autre. Hakuna mtu mwingine. Alors personne d'autre hakuna mtu mwingine amener le Congo au développement. Ambaye ataweza kupeleka inji kwa maendeleo. Voilà comment la population souffre ici. Ndio maana watu wanateseka hapa sana. Le Congolais vit avec moins d'un dollar par jour. Mkongomani leo anaishi na pesa kidogo ku 1000 francs. Alors qu'il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte. Japokuwa kuna wamoja kati yetu wanaiba franga, wako na mamilliards kwa makonde zao. Les milliards qu'ils ont volés au peuple congolais. Mamilliards ambazo wameziiba kwa wakongomani. C'est pour cela, vous voyez, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ndio maana hawapendi kutoka. Est-ce que une marionnette, quand vous prenez une marionnette, unajua marionnette? Est-ce que la marionnette d'elle-même, elle peut faire quelque chose? Est-ce que sanamu ya kusukuma inaweza kufanya kitu? Alors, vous prenez une marionnette. Asa unakamata sanamu. Vous la dirigez. Unaiongoza. Vous allez la diriger comme vous voulez, n'est-ce pas? Utapeleka, utakisukuma gizi unataka. Regardez là-bas, regardez là-bas. Angalia mambo ule mtu anayeongea pale. Merci, j'ai vu. J'ai voté, je veux mon vote. Cash égale FCC, élection non arrangement, Kabila plus Félix égale 1, population, Yagoma, Nilamuka, Mpaka, Koufa. La lutte pour la vérité, pour la vraie démocratie en RDC continue. Fayulu, président ya Congo, les nommés n'est pas reconnu par les Congolais. La Mouka ne trahira jamais. Fayulu, président wa Congo, population ya Goma, ni la Mouka, Mpaka, Koufa. Les nommés n'est pas reconnu par les Congolais. USA. Venezuela égale, ok, R égale Juan Guaido, RDC égale Martin Fayulu, Union européenne, Venezuela égale Juan Guaido, RDC égale Martin Fayulu. Nous ne voulons que la vérité des urnes. Merci, merci, merci. Nous nous sommes compris. Tu me sécurisana. Nous nous sommes compris. Tu me sécurisana. Alors, Monsieur Kabila a pris un masque. Bona Kabila. A pris le masque. Alitia kibuibui. Pour continuer à diriger le Congo. Alitia kibuibui kusudi aendelee Congo. Est-ce que vous allez accepter ça? Je mutakubali kibuibui. Est-ce que vous acceptez ça? Je mutakubali kibuibui. Est-ce que vous acceptez ça? Mutakubali kibuibui. Nous n'acceptons pas les masques. Hatukubali kibuibui. Le peuple congolais est souverain. Raia wa Congo wako na mamlaka yao. Il a élu son président de la République. Walichagua raisi wao. Il a élu ses députés. Walichagua wa député wao. Députés nationaux et provinciaux. Wale wa taifa na wale wa jimbo. Nous n'acceptons pas les nommés.
hatakubali wale ambao walikuwa nomé. Les nommés au pluriel. Wale wa nomé au pluriel. Les présidents et députés. Ikuwe président ama wanabunge. Voilà, chers frères et sœurs, et comme j'ai dit, ma détermination est grande. Je crois que la vôtre aussi, comme je vois depuis que on a, depuis qu'on a donné les résultats, je vois les mamans qui pleurent. J'ai vu le nombre de gens qui sont morts, des Congolais qui sont morts, qui ont piqué des crises cardiaques, des gens qui se sont suicidés. Ndio maana mimi niko na détermination kubwa sana. Sababu depuis walifanya proclamation ile yenye mnajua, niliwaona watu wanalia, wao wanalalamika, wengine wanakufa na crise cardiaque. Wanasema Fayulu Fayulu tulimchagua, lakini wanakataa kumpatia president wao. Des gens qui sont tombés malades depuis l'annonce des résultats jusqu'à aujourd'hui. Watu ambao waligonjwa depuis les nominations mpaka leo. Est-ce que c'est normal? Jeni kawaida hiyo. Est-ce que nous allons accepter cette situation? Jeni takubali hiyo mambo. C'est pour cela j'ai vu une vidéo hier. Ndio maana niliona video jana. Je remercie et je les félicite en même temps nos amis qui étaient hier au festival Amani. Mimi napenda niwashukuru wote walikuwa jana ku festival Amani. Amani, Amani est là. Festival Amani, when you are quoi par les gens. J'ai envie une vidéo. Quand on dit DJ, les gens disent Fayulu. DJ. DJ musique. DJ musique. Ah, merci Amani. Et c'est ça. Et là, vous voyez. N'a pas les gens qu'on y m'a donné, hein? Une telle spontanéité. Wale watu ambao hawakutayarishwa. Qui peut l'arrêter? Nani njoo mwenye ataweza kuibadilisha hiyo? Qui peut arrêter cette volonté du peuple congolais de recouvrer sa victoire? Nani njoo mwenye anaweza kuzuia wakongomani kuweza kupata ushindi wao? Est-ce qu'il existe? Maman, quand vous avez parlé des armes. Mama, wakati mulisema bunduki. Non, les armes, c'est l'arme des faibles. Bunduki, watu wa kulomba bunduki, ni watu ambao, c'est comme, wako weak. C'est comme la fraude. Inakuwa sawa ile bwizi. C'est comme le mensonge. Inakuwa sawa ile bongo. C'est comme la trahison. Inakuwa sawa ile kusaliti. C'est l'arme des faibles. Hiyo inakuwa bunduki ya watu ambao le peuple est plus fort que les armes. Population iko na nguvu sana kushindia silaha. C'est pour cela je vous ai dit nous allons résister. Ndio maana niliwaambia une résistance citoyenne. Lakini itakuwa kupigana ya amani. Nous sommes des gens pacifiques. Tuko watu ambao tuko watu wa amani. Nous sommes des pacifiques et nous allons résister. Est-ce que depuis l'aéroport jusqu'ici, vous avez vu des troubles? Est-ce que nous sommes ici, vous avez vu des troubles? J'étais à Butembo, il y a eu des troubles. J'étais à Beni, il y a eu des troubles. À Kinshasa, à Njili, il y a eu des troubles. Mais ceux lakini wale qui veulent la violence, ambao wanapenda kupigana, la communauté internationale, watu wa jumuiya ya kimataifa, ils ont dit mais voilà, on a fabriqué les résultats. Wanasema bon, walifonde les résultats. Nous connaissons les gagnants. Tunajua mwenye alishinda. Mais pourquoi les peuples ne sont pas? Sababu kali population hai manifester. Je leur ai dit, le peuple ne sort pas. Population a été toka. Parce que il ne veut pas, personne ne veut se faire tuer. Sababu hakuna mtu mwenye anapenda wa muue. Mieux, personne ne veut se faire
assassiné. Hakuna mtu mwenye anapenda apigwe risasi. Vous voyez les gilets jaunes en France. Muko naona wale watu waandamanaji wa France, ils cassent même les magasins. Wako wanabomola hata maduka. Est-ce que on tire sur eux? Je wako wanawaua. La police vient et sécurise. On arrête les violents, on les met au cachot, on les condamne. Police inakuya, wale wenye wako makichwa ya kupata yulu, wanawafunga lakini hawaue mtu. J'avais dit à la communauté internationale, niliambia jumuiya ya kimataifa, vous allez voir comment les Congolais va manifester son mécontentement. Mutaona comment wa Kongomani watawaonesha kama wanasirika sana. C'est ça. Ndio hii tu unaona hapa. C'est ça le mécontentement. Si wanasirika. Nani anasirika? Nani alisirika? Anakula mikono tumuone. Ay ay ay. Le peuple manifeste son mécontentement en accueillant Fayulu massivement, en accueillant Fayulu dans la joie, dans l'amour. Watu wako wana manifeste wakimupokea Fayulu wakifurahi lakini wanamupokea kwa kimya. Dans l'amour, dans la joie, dans la chanson et dans la danse. Kwa kupenda na furaha wakiimba pia wakicheza. C'est pour cela que vous me voyez danser devant vous. Quand je fais comme ça, vous allez voir la joie du peuple congolais quand il va communier de nouveau avec celui qu'il a choisi. Nous n'allons pas envoyer les gens dehors. Manifester pour que l'ennemi du Congo le tue. Mes frères et sœurs, Nduguzangu na dada, comme j'ai dit au début, nilimwambia kwa mwanzo, j'ai pris le Seigneur Dieu Tout-Puissant, namuomba Mwenyezi Mungu, que je vois le développement du Congo, naona maendeleo ya Congo, que je ne meurs pas avant de voir le début de ce développement, nisikufe kama sijaona mwanzo ya hiyo maendeleo, de poser les fondations. Nous allons poser les fondations. Tutaweka misingi ya maendeleo ya Congo. Les fondations solides. Misingi ambayo inakuwa na nguvu. Ce pays sera parmi les pays les plus développés du monde. Congo itakuwa miongoni
mwa inji ambazo zinaendelea katika ulimwengu. Est-ce que vous vous engagez avec moi dans cette vision? Je na nyinyi mnaona hivyo? Vous vous engagez dans cette vision? Na nyinyi mtafanya hivyo? Comme j'ai dit à Butembo, avec ma voix qui est partie, avec des gaz que j'ai inhalés. Sinon, j'allais chanter cette chanson de Rochero. Congo à venir. Vous l'appelez Naïbe? Vous voulez qu'il chante? Atoumie Kadogo dit. Je vais chanter un peu. Ataïba tout Kadogo. Congo, Congo Ndengoka, Congo Ndoka Yaba Mpoko, Congo, Congo Ndengoka, Congo Ndoka Yaba Mpoko, Lelo Boko Muna Mbamba, Lobi Boko Muna Yango. Congo ya Mosolo, Congo ya Mzoto, Congo ya Mayele, Kasa ya Mbila, Congo ya Makashi, Moto ya Mkono. Congo, Congo nde Mboka, Congo Mboka ya Bankoko, Congo ya Batu Mayele, Congo, Congo nde Mboka. Kolokani, Kolokaniza, Congo pays. Un pays merveilleux. Dieu nous a donné ce pays. Mais qu'est-ce qui manque dans ce pays? Qu'est-ce qui manque? Le numéro 4. Donc, vous me dites, ce qui manque aujourd'hui, c'est un leadership responsable, c'est ça? Il a cosa kiongozi mwenye iko wa maana sana. L'autre disait, vous savez que dans nos chansons, nos musiciens, Colin ont fait un travail merveilleux parce qu'il y a une discographie dans ce pays énorme et il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de leçons dedans. Unajua kama tunakuwa na wanamuziki. Hata hapa Goma ambao ni wanamuziki wazuri sana ambao wanaimba vitu ambavyo vinakuwa na maana. Yaende mes grands frères qui disaient, kulikuwa moja ambaye alikuwa anasema bazali bazali kolangwa bangi na mosolo pe babe bisa ezalili ya bato. Bameli bangi na mosolo e bazako yiba balingi babe bisa ezalili ya congolais. Asema wame wamesha kunywa diamba na ile franga wako wanakamata kwetu ya matakse ndio wanaharibisha nayo inji. Est-ce que les Congolais vont accepter ça? Je wa Kongomani watakubali hiyo? Les Congolais vont accepter cette situation? Je wa Kongomani watakubali hiyo? Mes frères, mes sœurs, ndugu zangu na dada, nous sommes les enfants d'une même famille. Tuko watoto wa jamaa moja. Grande famille le Congo. Jamaa kubwa Congo. Civil. Iwe sisi raia. Police. Sisi sote tuishi vizuri. La moisson est là. Ha, mambo yote yako. Si elle est abondante. Na mavuno ni mengi sana. Elle est là pour tout le monde. Iko kwa watu wote. Les gâteaux peuvent être partagés. Ah, hiyo gâteau lazima ikabuliwe kwa watu dans wote. Dans le travail. Kwa kazi. Dieu nous a tout donné. Mungu ametupa yote. Mais il va nous poser la question. Lakini atatuuliza kitu moja. Wakati tumeona huko. Ceux qui lisent la Bible. Wale wanaosoma Biblia. Connaissent bien les paraboles des talents. Wanajua. Dieu va nous demander. Mungu atauliza kila mtu talanta yake. Je vous ai donné l'or. Nilikupatia wewe dhahabu. Je vous ai donné le diamant. Nilikupatia wewe almasi. Le cobalt. Nilikupatia hiyo cobalt. Le coltan. Nilikupatia cassiterite. Le cuivre. Nilikupatia la cuivre. La cassiterite comme ça. La cassiterite. L'eau. Nilikupatia maji. Il y a des lacs.
Les rivières, la forêt, la savane. Je vous ai tout donné. Le pétrole, qu'avez-vous fait de tout ça? Est-ce que nous allons dire à Dieu que nous l'avons gardé comme ça à l'état nature pour que vous récupérez ça? Quelle est la valeur ajoutée que nous avons apportée à ce que Dieu nous a donné gratuitement? Si tu me fanya nini, na kuongeza nini, kwa ile mali ambayo Mungu alitupa kwa bure? Ce que Dieu nous a donné par sa grâce infinie, qu'avons-nous fait de tout? Ile Mungu ametupa kwa neema yake isiyokuwa na mwisho, tumeifanya nini? Mes frères et sœurs, ndugu na dada, nous devons être des gens responsables. Lazima tuwe watu wanaokuwa na busara. Nous ne pouvons pas accepter de donner à nos enfants de léguer à nos enfants, pardon, une situation qu'ils ne pourront pas expliquer aux autres demain. Hatuwezi kuachia watoto wetu inji ambayo inakuwa katika shimu na wataweza hata kuwaelezea ndugu zao. Quand nous allons assurer l'éducation à la citoyenneté, wakati tutakuwa tunafundisha watoto namna ya kuishi, dans les cours de civisme, kwenye masomo katika kuru wanaita civisme, est-ce que nous allons dire que voler c'est bon? Je tutawaambia kuiba ni mzuri? Est-ce que nous allons dire que voilà, en 2018, en décembre, le 30 décembre, il y a eu élection et qu'on a nommé quelqu'un, parce que les gens ont volé les voix de celui qui a été élu par le peuple. Dieu t'a envie à watoto wetu katika historia ya Congo, kama 2018, watu walimuchagua président. Lakini wakaenda kunome mwenye la kuchaguliwa, je watafurahi? Est-ce que si vous êtes PDG, je kama wewe ni PDG mkurugenzi, ou vous avez une votre société ici, ambayo unaongoza société yako, et si vos employés commencent à voler, kama watumikaji wako wanaanza kuiba, est-ce que vous pouvez les amener devant la justice? Parce que à la tête du pays, on a déjà volé. On accepte les voleurs. On a kubali mwizi. La cour constitutionnelle. Korti kuu. La cour la plus élevée, la haute cour. Korti ambayo ndio kubwa katika hii nchi. Au lieu de faire son travail correctement, au lieu de faire des choses, de raconter les voix, ya kuhesabia kura devant le peuple, mbele ya raia, pour que le peuple sache la vérité, kusudi raia waweze kujua kweli. Non, non, la cour c'est complet. Hiyo korti inafanya mambo ambayo haiwezekani. La cour fait une grande farce. Inafanya mambo ya mchezo ya mzaha. Mais lakini, quand on dit la cour, c'est pas tous les juges. Il y a un juge. Wakati wanasema korti haiko wote. Un enfant du Nord Kivu. Lakini kuna juge moja ambaye ni mtoto wa hapa Nord Kivu. Il a dit non. Ambaye alisema hapana. Il n'est pas d'accord avec ce que ses pères ont fait. Hakukubaliana na yenye wandugu wake walifanya. Il a dit que les avocats de Fayulu avaient raison. Yeye akasema Fayulu alikuwa na raison. Applaudissez pour lui. Mupigie makofi. Applaudissez pour le juge Corneille Wasenda. Mupigie mikono huyo juge Tongo Corneille Wasenda. Il a dit que le résultat de la CENI devait être révoqué, renvoyer la CENI et demander à la CENI de terminer la compilation des résultats dans les centres locaux des compilations et puis publier ces résultats d'après les procès-verbaux des centres de compilation des résultats. Yeye alisema lazima CENI irudie ifanye kwanza compilation
itakuwa ikishamaliza compilation ndio wanapublier ma resultat za kutoka kuma centre de compilation bila zile ma resultat za kuonaona. Je vous dis ceci simplement parce que les gens qui vous disent que la haute cour a dit, la cour constitutionnelle, c'est les premiers et les derniers ressorts, c'est fini, vous arrêtez là. Je dis non, parce que la cour n'a pas fait son travail correctement. Wakati watu wanasema, kuru ilishafanya vyote, minaishia pale, nasema apana, sababu ile kur haikufanya kazi ambayo inahitajika kufanya. C'est pour cela, nous sommes allés à un degré plus élevé. Ndio maana, tumeenda tena juu sana. Le combat continue. Ha, ha, mambo inaendelea. Continue. Inaendelea. Onuka kama kambo e. Onuka kama kambo e. Ukozi wangu e. Onuka kama kambo e. Unatafuta kama neno e. Ya leo ni ya kiroho e. Otumuli Fayulu. Otumuli peuple congolais. Kama unamugusa Fayulu, umegusa wakongomani wote. Otumuli peuple congolais. Otumuli Fayulu. Kama unagusa wakongomani, umegusa jicho la Fayulu. Na Butembo kuna malobi, ozali lisusu soldat ya peuple te. Kule Butembo aliniambia, wewe Fayulu hauko tena soldat du peuple. On m'a dit que vous n'êtes plus soldat du peuple. Mais vous êtes le commandant du peuple. Voilà mes frères et sœurs. Basse nous la nana. Ils ont cru que ouais. Le complot contre le Congo ne sera pas déjoué. Walizania, hiyo complot contre Congo a tout à déjoué. Nous allons déjouer ce complot. Hiyo mambo ambayo walipangia ya mubaya kwa Congo. Je vous ai dit que ce pays a des enfants merveilleux. Il va dire comme il dit, il y a des enfants ambao wanashangaza kabisa. Regardez le docteur Mukwege. Angalia docteur Mukwege. Nobel. Ambaye amepata zawadi ya Nobel. Amepata zawadi ya Nobel. Le docteur Mukwege. Tumpigie Mukwege mikono. Tumpigie Mukwege mikono. Est-ce que ce n'est pas un plaisir d'avoir un frère comme le docteur Mukwege? Je haiko raha kukuwa na ndugu sawa docteur Mukwege. Merci, que Dieu les garde, Mungu que Dieu les protège, que Dieu lui donne tous les moyens nécessaires pour continuer son travail et que demain nous puissions avoir la paix au Congo pour que ce phénomène s'arrête. Tunapenda Mungu wa mulinde amupe nguvu kusudi kesho Kongo hiyo mambo ya vione iishi. Mes frères et sœurs, ndugu na dada, je vous ai dit que nous sommes dans cette campagne de la vérité des urnes. Niliwaambia tuko katika kampeni ya ukweli wa kura. Nous avons commencé par aller à la cour constitutionnelle. Tulianzia kuenda kwa korti kuu. Nous avons amené tous les PV à notre possession. Nous avons montré des évidences à la cour. La Cinco. Église catholique Cinco. Nos évêques. Ma padres et tout. Ils ont donné les résultats. Walipana les résultats. Ils ont dit, le peuple a voté pour Fayulu. Walisema raia walimchagua Fayulu. La CENI elle-même. CENI yao yenyewe. Il y a des gens qui dans la CENI ont vu le résultat, ils ont fait fuiter ces résultats. Kuna watu walikuwa wanatumika mu CENI, waliona résultat na wakaitosha nje. Et ces résultats c'était presque le même que ce que la Cinco a donné. Na hiyo résultat ilikuwa moja na hiyo ya Cinco. Ces résultats étaient presque les mêmes que nous, la Mouka,
nous avons donné parce que nous avions notre centre de compilation avec nos témoins. Hiyo résultat ilikuwa moja na ile yetu sie la muka tulipana sababu tulikuwa na sie na centre de compilation ya kwetu. Et nous avons amené là-bas à la cour et la cour n'a pas voulu recompter les voix. Tuliwapelekea korti lakini hawakupenda hata kuweza kuhesabu kura. Maintenant, nous avons saisi Sasa, par les mécanismes appropriés. Tumeisha kutuma kibaruha la cour africaine. Kwa hiyo korti ya Afrika. Les droits de l'homme et des peuples. Ya haki za binadamu na haki za taifa. Nos avocats ont, par des mécanismes appropriés, amené la discussion, amené, comment dire, la recherche à ce niveau-là, la contestation à ce niveau, et nous allons encore aller plus loin. Tumesha kupeleka pale, na tutaenda mbali tena sana kushinda hapo. Est-ce que vous êtes content? Dieu vous l'affurai. Est-ce que vous êtes content? Dieu vous l'affurai. Vous voulez que nous continuions? Vous n'avez pas tourné. Est-ce que nous devons continuer? Dieu tourné. Nous allons aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, a dit wish. Parce qu'on ne peut pas violer le droit des citoyens congolais comme on l'entend. Sababu. Hawawezi kukanyaka sheria za wakongomani. On ne peut pas violer les droits des citoyens congolais impunément. Hawawezi kukanyaka sheria za wakongomani bila malipizi. L'impunité c'est fini. Hiyo kukosefu wa malipizi inaisha. Si le régime Kabila, c'était un régime où tu voles, on te laisse là et on continue jusqu'aujourd'hui, avec Fayulu, avec Lamuka, ce n'est pas le cas. Kama uongozi wa kabila ilikuwa ukiiba pesa wanakutia tena pale nyuma pembeni, ukiiba wanakutia pembeni, sisi kwa Lamuka hiyo mambo hatutaki. Le vol, la fraude, la corruption ne peuvent pas s'apparenter au nom Congo. Wizi na kuchora na wizi wote haiwezi kukua mambo ambayo wakongomani wanapenda. On est d'accord? Tunakubaliana? Nous sommes d'accord? Tunakubaliana? Nous sommes d'accord? Tunakubaliana? Mes frères congolais, nous continuons les combats. Tunaendelea na vita. Nous allons demander la vérité des urnes. Tutaomba uhaki wa kura. Nous allons demander, et j'ai écrit à l'Union africaine. Niliwaandikia umoja wa Afrika. Lamuka a proposé deux solutions. Tuliwa propose vitu viwili. Pour la vérité des urnes. Kusudi kweli iweze kuonekana. Et je vais terminer par là. Na nitamalizia kwa ile. La première solution. Kitu ya kwanza. On crée un comité. Tunaunda kamati. De vérification des urnes. Ya kutafuta ukweli wa kura. On prend tous les procès-verbaux. Tunakamata pepe zote. Et on commence à compter bureau par bureau. Tunaanza kuhesabu bureau kwa bureau. Pour le président de la République. Kwa raisi. Pour les députés nationaux. Kwa wanabunge wa taifa. Et pour les députés provinciaux. Na kwa wanabunge wa provincial. Ça c'est la première solution. Hiyo ndio solution ya kwanza. Alors, si maintenant. Kama sasa. On dit que la CENI ne retrouve plus. Wakalunguza zile mapeve. Si on dit que la CENI ne retrouve plus les PV. Kama wanasema zile mapeve hazikuwake tena. Et comme nous sommes sûrs de nous. Na kisi siye tuko siri na siye peke. Nous demandons qu'on refasse les élections. Tunawaambia basi, turudie basi ma élection. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord qu'on refasse les élections? Oui. On appelle à tourner les élections? Oui. On appelle à? Oui. On a touché une bambana? Je crois. Tout le monde a touché une tourner les élections? Oui. Je crois que la communauté internationale entend. Nazani jumuiya kimataifa inasikia. Je crois que la communauté internationale vous a entendu. Nazani wote wamewasikia. Et
au Venezuela. Huko Venezuela, Juan Guaido demande qu'on refasse les élections. Juan Guaido aliomba uchaguzi urudiliwe. Et plusieurs pays le suivent déjà dans ce sens. Na inji nyingi zina mufata katika njia hiyo. Et nous ici, na sisi hapa, il faut dire à la communauté internationale, tunaambia jumuiya ya kimataifa, Fayulu et Lamuka, Fayulu na Lamuka veulent vous rendre la tâche facile. Wanapenda warahisishe hiyo kazi. Si on vous a égaré, on vous a dérouté, kama waliwapoteza, il est temps de se ressaisir. Hii ni wakati ya kujirudia. Aider le Congo à organiser de nouvelles élections dans 6 mois. Musaidie Congo ifanye uchaguzi mzuri katika miezi 6. Bwana ndio unasema Fayulu endelea na hiyo mambo. Mria papa Fayulu. Baba wewe mbele. Amoa ni masomo ni masomo kiapa. Baba Fayulu. Baba wewe mbele. Ukipo ya ni masomo fanya hapa chini tumuimbe. Restez là où vous êtes, les mamans vont chanter. Population civile.
Vini ya population ni population civile. Mungu asiwa intimide jumulimbia Fayulu. Mumambia angalisho. Merci, merci beaucoup. Regagnez vos maisons en paix. Accenti, accenti, mourudini. Et saluer ceux qui ne sont pas venus. Merci. Nous vous saluons, Kawakoufik, Aksanti. Également ici en direct de la ville de Goma, stade Afia au Nord Kivu. Merci, bye et à très bientôt.